Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Regardez-moi ça, nous voilà à la salle de la carte. On va aller parler au professeur Fig. Dépasse tout ce que j'ai pu voir, et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. Expelliarmus. Tiens. Allez, c'est parti, on parle au professeur Fig. Votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrok et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Je pense que oui. Difficile à dire. Mais si Rona Ryan lui fait confiance. J'imagine qu'il faudra nous en contenter. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrok? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrok afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrok. Lodgok a dit que Ranrok cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Okay. Ranrok recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Vous n'avez rien vu? Vous n'avez parlé à personne? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrok. Mon descendant? Un mage noir? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien, j'y vais de ce pas. Bonne chance. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. C'est parti. Allons au château de Rockwood. C'est le truc qui est là. C'est plus bas encore. Attends, j'attends que sur la map ça s'actualise. Tout, 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 tout. Allez. C'est bon. Ah, c'est pas actualisé. Alors, on va attendre que ça s'actualise, les gars. Voilà, c'est parti. Alors. 2040 mètres. Quête, défi, carte. Carte du monde. Hop. Et on va aller... Ah, c'est là-bas. Ok. On va aller là. Hop là. Juste à côté de... Feltrug. Faux danger. Feltrug. C'est là où habite... Sébastien. Sébastien Palo. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Oh, y a des... c'est vrai, il y a des coffres à récupérer. On va aller les chercher de ce pas. Youhou. Réveillio. Ils sont tous là. Allô, Mora. En plus, il y a un Demi-Guise là. Demi-Guise. Une statue de Demi-Guise. Let's go! Toc. Tu es à moi. Réveillon. Demi-Guise qui est là. Il m'en faut 13. On va monter. Ok. Collection mise à jour. Et le petit coffre qui est là. Parfait.
Ensuite. Du coup, on a validé la pièce là dans l'endroit. Ah, c'est bon, on a tout récupéré. Maintenant, on va devoir aller là-bas. C'est parti. Attends, il y a un coffre là. On va quand même le récupérer. Ouh, il y a même deux trucs à récupérer là. Non, mais oh. La lettre de Sebastian Palo à sa sœur Anne. Ok. En plus, on aura des infos en plus. Hop là. Toc. Nous y voilà. Le magnifique château de Sébastien. Non, de Rookwood. Carrément Rookwood. Hein. Attendre. Par ici. Et c'est bon, j'ai entendu. Détends-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rookwood avait raison. Les hommes de Victor Rookwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Je te suis. Un petit coup de Petrificus Totalus, ça va être très très bien. Hop là. Tu te poses la question. Ce serait plus facile en effet, faisons comme ça. Quelle arrogance. Toc là. Oui, ok. Ce fut rapide. Ce fut très rapide. J'aime bien quand c'est comme ça. Ah d'accord, c'est de chemin, c'est vrai, c'était ça en plus. Je vais juste me retourner là-bas. Attention, on peut pas rentrer en face. Tu dois avoir des gars aussi ici. Hop là. Et comme ça on récupère des loots, c'est très très bien, moi ça me va. Révélio. T'as pas un coffre ici? C'est pas un coffre ça? Ah non. Au moins ça nous fait 10 PA, on gagne des coffres, tout va bien. Par contre c'est un des plus grands camps du jeu, donc on va faire attention quand même à ce qu'on fait. Oh, y a un endroit aussi à faire ici. Avec des trucs à récupérer. Ok. Je mettrai directement mon. C'est quoi les bestioles? Oh! Ça a l'air de voler, donc ça a l'air d'être intéressant. Alors. Tu ne peux pas empêcher la révolte de Ranrock! Normalement, j'étais censé arriver de l'autre côté. C'est pas grave. Un intrus! Confringo! T'as mal à la gorge, frérot, ça se passe comment? Le gars, il a mal à la gorge, quoi. Bon. Action. Guardium Leviosa. Voilà. Ah bah attends. Hop là. Let's go. Il y a un coffre juste ici, il y a des mecs là. On va voir ce que ça donne. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. Ranrock. Tu n'aurais pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'il serait bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser?
Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Il a la tronche de roue au coude. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrok est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman? Wow. Insane. Action. La suite. Tu vas arrêter d'avoir mis les pieds ici. Tu l'aimes souffler. Niveau 30. Allez hop, je termine mon gars. Oh, on va se calmer par contre. Ah yes, ça c'est un serpent sang, prends ça mon gars. Allez, mange. Wow. Mange ça, connard. Allez. C'est bon? Vache, c'était compliqué là. Wow! J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. J'ai cru que j'allais mourir. C'était compliqué. Bon, après, c'est passé, c'est le principal. C'est le principal que ce soit passé, nous on est tranquille. Le combat fut intense. J'ai rien de super bien pour les lunettes quoi. J'ai vu des lunettes de... J'aimerais bien avoir des lunettes de qualité moi quand même. Ok, assourdissement au niveau 2. Je sais pas ce que c'est exactement à quoi ça correspond tout ça, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, à la longue. Encore des lunettes. Si je fais un Revelio là. Non, y'a rien. Ok. Normalement, y'a un boss ici qu'on aura vers la fin du jeu. Je pense que c'est un des boss que tu combats à la fin, vraiment, où t'as 40 000 ennemis, ça défonce de partout, c'est la guerre. Ouais, ça, c'est par là, on est passé tout à l'heure.
rien ici. Je reviens quand même si on oublie rien aux alentours, surtout. C'est très important. Parce que si on commence à oublier des trucs, ça peut être bien pour le gameplay. Je vais peut-être ouvrir la porte, si on peut l'ouvrir. Non, on peut pas. On devrait automatiquement passer par là où on est passé. On va passer par où? Ils veulent qu'on passe par là. Allez donc, ils veulent qu'on remonte pour aller à droite après. Ok, bon, on va faire ça. Hein. On va faire ça, on va partir en direction de la petite du reste de château qui reste. Tu parles d'un château toi? Pour faire la deuxième épreuve. Wow. Je fais quoi du coup? Ah, je descends. Ah, il est déjà en bas lui. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Ok. À mon avis, il faut que je fasse un truc du genre... C'est ça, non? Hey. Je me connaîtrai pas, je dirais que je suis intelligent. Non, pas quand même, mais il y a un potentiel. Cave de Rookwood. Let's go. Oh. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. Ok, on peut pas aller par là. Et on peut aller que tout droit. Ok. Ah oui. Ça creuse quand même. C'est sûrement ça, la réserve de magie à l'origine de Ranrock. Il a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est-ce le portrait? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. T'es où? Il est où? Tu ouvres le portail, Charles. Voilà. Professeur Rookwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... C'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Ok. Comme d'hab. Ok. Toc là. Nous voilà. Je vous attendrai dans la salle de la. Ouais, t'inquiète. La deuxième épreuve, ce sera le titre de cette vidéo, les enfants. Les enfants. C'est les gars, ils seront trop chauds là. Non, non. Alors. Rébellion. C'est parti pour cette deuxième épreuve. Il y aura du stuff à récupérer. C'est une porte ça, non? Non, là c'est très linéaire, donc on va aller tout droit. Tout droit ou à droite? À droite. Je pense que c'est à droite qu'il faut qu'on aille. Non. Ok, là. Ok, il faut que j'aille là-bas.
comment veux-tu que j'aille là-bas? Au moins que là. Non. Ah, ok. Il y a un coffre juste là par contre. Ah non. Je vais quand même y aller parce que... Ok. Revelio. Je dois repositionner ce pilier pour sortir ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Et là du coup, je vais mettre l'autre. Ok. Attends. Axio, il est là. Ok. Et voilà. T'es là un champion. Alors. Il y a un coffre en haut à droite. Ça, ça va monter. Ok, encore une autre épreuve. Donc là, je vais aller là, je vais voir ce que ça donne. Ok, ça je peux pas le prendre parce que c'est fermé. Et ça... Par contre, je peux le bouger ce truc là. Ou Axio. Non. Bloque la route. Je vais devoir le déplacer. Ok. Et ça, ça va me permettre d'aller genre là. Et ça, c'est pas, je peux pas y aller encore. Comment veux-tu que j'y aille? Tu vois, si je remets là, non. Ah, il faut que je... Ah, faut que je réactive. Non, pas tout que je refasse quand même. Ok, j'ai compris. Yes. Et après, moi, je retourne là. Hop, hop.
Inverse-moi ça. Et si je retourne en arrière. Let's go. Eh mais mon gars, je suis trop fort. Oh, tout ça pour ça. Ah merde, faut que je fasse ça. Je sais quoi faire pour l'autre après. Parce qu'il y a un autre coffre qu'on peut pas aller chercher. Allez, viens. Merci. Celui-là, je sais pas. Merde, retour en arrière plutôt. Retour en arrière et. Ben voilà. Action. Le gardium leviosa. Ah, par contre, il faut que. Il faut que je retourne en arrière. Et que je fasse ça. Ah, bah, c'est le coffre. Il n'y a même pas besoin d'y aller. On va quand même regarder. On va regarder comme c'est rien de. Et là. Merde, c'est retour en arrière. Merde, me fait avoir à chaque fois. Voilà. Ah non, tu vois, c'était vraiment pour le coffre. C'était vraiment pour le coffre, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis voilà, c'est tout. Allez, on se casse. On avance. Oh, il y a le premier combat. Je le sens. Eh, hey, battons-nous. Confringo. Réflexion. Arrête ton momentum. On te voit ici. Préparons. Protego. Confringo. Confringo. Stupéfique. Classus. Action. Allez. Ouais. Ah, j'ai fait le tri. Ah bah j'ai fait le tri. Comme ça c'est réglé. Ce qui est bien c'est que moi je suis pas chiant. On va aller tout droit et ça va nous emmener. Let's go. Tout ça pour ça. Et après ça nourrit. Je dois aller à gauche ici. Mais comment? À gauche. D'accord, j'ai compris. Non. Non. Y'a pas un autre endroit où je peux taper. Si on regarde par là. Je dois peut-être atteindre la marque sur le mur du fond. Ça pourrait repositionner les arches.
marque dans le mur du fond. Voilà, t'es allé à gauche. Bah, c'était bon en fait. Bon, ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Il y a un coffre. Je fais d'abord le coffre. Il n'y a pas de coffre. Ok, j'ai rien dit. Ok. Mais je pense avoir pigé le truc. Oh, il y a des ennemis là. Ah ouais, ils sont là. Ok. 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 Wow. Le casse-tête, toi. Wingardium Leviosa. Et l'autre, il est où? Ok. Ok, hop là. Merde, faut que j'aille en ce sens-là. Toucher ces marques permet de réajuster les arches. Peut-être qu'il y a un moyen de continuer de l'autre côté de celle-ci. Ah merde. Ah merde. Il y en avait une autre. Il y avait un autre pilier. Et où est-ce qu'il est, ce pilier? Non, tu vois, c'est pas ça. Il y avait un pilier. Où est-ce qu'il est? Ah, il était dans une des embouchures ici, là. Bah voilà. Ça change que dalle. Ça a changé que dalle à ma vie. Ah mais si, ok. Il est où le pilier? Il est là. Ah mais non. Ok. Oh le casse-tête les gars, je vous jure. Est-ce qu'il
qui pourrait être si rapide et si long. Ok, et là ça fait quoi? Ça fait que ça fait ça. Et si je regarde comme ça après, ça fait quoi? Ça fait ça. Ça. Action. Faut que je le passe dans le truc. Donc ça, ça inverse le truc. Putain, mais faut avoir un bug plus suite pour comprendre. De tirer un de ces blocs sous l'arche. Oh là là. Oh, ça me termine. Allez, non. Et voilà, on arrive. Enfin à destination. Voilà, allez tout droit. Wow, il tourne pas trop, j'ai la tête qui tourne. Y'a rien ici, y'a rien là. Y'a quelque chose là, y'a quelque chose ici. Ok. Pour 56 pièces, ça me fait chier. J'utilise rarement cette capacité. Allez, vas-y, encore. Prends-toi ton œuf, allez. T'en as un autre? Plus avec lui. Il y en a deux. Prends ton œuf. La vaisselle. Quartier, on m'appelle professeur Trelounet. Je suis en train d'essayer de faire mon stock de magie ancienne pour le boss final de l'épreuve numéro 2 parce que je sens qu'il va être insane. Ok, on avance. Ok. Le temps qu'ils nous ont pas donné 40 potions, ça me va. C'est quand ils vont nous donner 40 potions là, tu vas voir. Ça va pas être le même délire. Là, c'est le boss. Là, les gars, on se prépare à prendre une fessée. Très clairement. Il y a des œufs. Ok. Je vais essayer d'utiliser mes invocations. Ok, ok. Utilise ces putains d'œufs. Wow, on se détend par contre. Hop là. Il y a deux boss pour un là. Et là, si tu fais comprendre le truc, il faut passer par là. Allez. Confringo.
Allez, en Dolores dans ta tronche, quoi. Bim, on est KO. Hop, fini. Ok. Allez, bon, je sais pas s'ils sentent quelque chose, mais... Ok, let's go. Et franchement, on en a chier. Oh, le boss. Oh là là. Oh là là, magnifique. Allez, prends-toi un stupéfix dans la figue. Allez. Non. Abusé. Il est impossible à éviter ça. Allez, allez encore. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, on enchaîne. Allez, encore, encore. Il est dur à battre. C'est quoi ce boss, les gars? Allez, prends ça. D'accord, ok. Oh, il est facile en fait. Allez. Allez. Ouh là là. Ouh là là, je m'attendais pas. Allez, mange. Le gère d'une puissance. C'est... En fait, une fois que t'as compris le truc, il est facile à battre. En vrai, là c'est une balade de santé. On va changer un petit peu. On va prendre celui-là. Wow. Oh merde, elle m'a fait mal. Ah, si le monde son pattern, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si le monde son pattern. Merde. Allez, yes. Allez. On spam. Oh
Ah merde. Allez, vas-y, c'est bon, le gère. Il est fini là. Merde, il a spammé. Allez, allez. On l'a eu. Wow. Il était dur à battre. Ouh. Ça s'est fait. Quel soulagement. Tout ça pour aller sur une pancine. Ok, nous voilà arrivés. Il y a un coffre. Au moins, on a une petite récompense. On a un petit coffre. Avec du loot de merde. Réveillon. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dans la pancine de Charles Rockwood. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. C'est la, elle la méchante, tu vois pourquoi. La Morganac là. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père. Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Wesh. T'es sûr qu'elle allait faire une connerie, le Morganette, là. Rébellion. En train de me dire qu'il n'y a qu'un seul coffre. Oh, ça me termine à chaque fois ça. De toute façon, à chaque fois on arrive dans la salle de la carte, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de tout ça. Hop là, nous voilà, salle de la carte. En vrai, j'ai compris à peu près comment se battaient les boss. J'aurais compris plus tôt, j'aurais moins galéré. Poudlard, Poudlard. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. Oui, mon gars. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald.
Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Pas de soucis, bien sûr. Vous avez mon numéro. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Pas de soucis, parlez à Fig. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Tchuss. Oh, la neige. 4 épreuves, 4 saisons, été. Non, non, connu, bah non, non. Ça aurait été la deuxième. Oh là là, ça va être trop beau en hiver. Il y a peut-être à passer des événements vis-à-vis avec Noël. Ça serait trop bien. Quatrième journée chez Poudlard. Réveillon. Putain, il y a un coffre en bas à aller faire. Quête terminée, épreuve de Charles Rockwood. 260 points d'ISP. C'est ici qu'il y a un coffre. C'est où que j'ai vu qu'il y a un coffre? Non, c'est l'étage du dessus. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cesser ici après cette deuxième épreuve dantesque. Oui, oui. Bon, on se laisse ici pour après cette épreuve dantesque. On se retrouve pour de prochaines aventures. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se dit ciao.